Bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Vadom, je suis le CEO de FunarTech et je vais vous présenter une autre façon de faire de l'IA, de l'intelligence artificielle. Je remercie l'équipe de Campus Party de m'inviter. C'est toujours un honneur de pouvoir présenter le travail qu'on fait et un plaisir. Alors, je vais utiliser tout au long de cette présentation deux termes, deux abréviations: ORRO et MLAA. Donc euh, elle représente quoi Ben ROOA, c'est la recherche opérationnelle ou operations research et MLAA, machine learning, apprentissage automatique. Ce sont en fait deux domaines dont je vais parler et chez FunarTech, ce sont deux domaines que nous combinons systématiquement pour répondre à tous les problèmes industriels que nous essayons de résoudre. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, de big data, de solutions analytiques, voici ce qu'on a en tête. On a le data science, le big data et le artificial intelligence, donc l'intelligence artificielle. Et au sein de l'intelligence artificielle, on parle évidemment du machine learning. Dans le machine learning, on a les réseaux neuronaux et évidemment, on est à Montréal, le deep learning qui est très important. Mais en fait, il manque au moins un candidat, un acteur, c'est la recherche opérationnelle. En fait, tous ces domaines se basent en partie sur la recherche opérationnelle. Alors, qu'est-ce que la recherche opérationnelle En fait, c'est une science qui existe déjà depuis disons la Deuxième Guerre mondiale, qui a ses lettres de noblesse, qui est arrivée à une certaine maturité, et qui est en fait la science de l'optimisation, ou en tout cas une des sciences qui s'occupe de l'optimisation. Quand on veut optimiser, on devrait penser à la recherche opérationnelle. Je vous présente comment ça fonctionne avec un exemple. Donc, on a un problème réel dans la colonne de gauche, donc là, vous avez la réalité, et puis on va modéliser ce problème, on arrive dans la colonne de droite, où on est dans le monde mathématique. On résout mathématiquement la représentation mathématique du problème, on obtient des solutions mathématiques, et puis on essaye de prendre des décisions grâce à ces solutions mathématiques dans la réalité. Ici, l'exemple, vous avez une ville, Konigsberg, Leningrad, avec sept ponts, et on se pose la question de savoir, ben, est-ce qu'il y a moyen de faire un tour complet Donc je pars d'un endroit, je reviens à cet endroit-là, je passe une et une seule fois par chacun des ponts et je veux faire un tour complet. Est-ce que c'est possible la réponse, c'est non. Le grand Euler a démontré que ce n'était pas possible. Maintenant, question de la recherche opérationnelle. Puisqu'il faut passer au moins sur un des ponts, quel est le nombre minimal de ponts qu'il faut enjamber une deuxième fois pour faire un tour complet Alors, le grand Euler, avec ce problème-là, en fait, il l'a mathématisé avec un graphe. Ça a donné naissance à la théorie des graphes. Dans la colonne de droite, vous voyez le graphe correspondant où les arêtes correspondent aux ponts et les points correspondent, en fait, aux petits îlots qui sont reliés par les ponts. La question se revient, maintenant revient pardon, à, à se demander mathématiquement, je veux traverser le graphe en passant sur chacune des arêtes, mais quel est le nombre minimal d'arêtes sur lesquelles je dois repasser pour faire un tour complet où je passe au moins une fois sur chacune des arêtes Une solution, c'est en fait de rajouter deux arêtes comme on peut le voir. Une fois que on a cette solution mathématique, on essaie de réintroduire cette information dans la réalité pour prendre des décisions. Dans ce cas-ci, c'est relativement simple. On a un trajet, on su il suffit de suivre les arêtes et les deux arêtes supplémentaires, et en fait, on obtient un tour. En général, c'est beaucoup plus compliqué. Les deux passages de la réalité aux mathématiques, et puis des mathématiques à la réalité, c'est en général très difficile. La partie simple, c'est, une fois qu'on a un bon modèle, c'est le résoudre mathématiquement. Alors, la recherche opérationnelle, c'est donc la science ou une science de l'optimisation. Ce qu'on peut apercevoir dans... Les problèmes réels, donc des problèmes industriels sur le terrain, c'est en fait des optimisations de 20 à 40%, donc c'est quand même pas rien. C'est évidemment pas toujours le cas, et puis c'est aussi par rapport à des solutions qui n'utilisent pas la recherche opérationnelle. Parfois, on ne peut pas faire autant, parfois c'est 0,1%, mais ça vaut la peine parce que c'est des gros projets. Euh, c'est peut-être un projet, par exemple, si on veut euh, dépolluer et on obtient 0,1% de dépollution sur la Terre entière, ben ça vaut quand même la peine. C'est utilisé de manière intensive dans plein de secteurs notamment le transport, l'Internet, supply chain. Il n'y a pas de supply chain sans recherche opérationnelle. Et encore une fois, c'est la science ou une des sciences les plus importantes de l'optimisation. Je vais vous donner un, un exemple de l'efficacité pour optimiser de la recherche opérationnelle. Concentrons-nous sur la colonne de droite où vous avez des points rouges qui représentent des villes. Je vais vous parler du TSP, le Traveling Salesman Problem, le problème de voyageurs de commerce. L'idée est la suivante. On a des points. Des villes, on veut en fait les parcourir, les visiter chacune une fois. Donc, on rentre dans une ville, on sort d'une ville, on fait un tour complet. Et ce qu'on veut, c'est que la distance totale, peu importe ce que ça veut dire, par exemple, la distance en kilomètres, soit minimale. Alors, c'est un problème qui est NP difficile. Ça veut dire que c'est un problème qui est très difficile et qui peut difficilement se résoudre euh, par parallélisme. Alors, pour vous donner un exemple de l'efficacité par rapport au ML, parce qu'on parle toujours du ML, notamment pour l'optimisation, mais les meilleures approches actuellement pour le ML peuvent résoudre ce problème. Je parle d'une résolution exacte avec 100 villes, 100 nœuds. En recherche opérationnelle, on fait un peu plus, on fait 100 000. Alors, il faut savoir que pour passer de 100 à 120, mais sans doute qu'il faut en fait changer d'algorithme. C'est ça que ça veut dire NP difficile. Il ne s'agit pas de rajouter de la puissance de calcul supplémentaire. C'est vraiment très difficile de passer à une solution pour 100 nœuds à une solution à 120. Donc, encore une fois, la différence est 100 versus 100 000. Donc vous voyez, l'efficacité de la recherche opérationnelle, elle est quand même assez forte. Alors pourquoi c'est important de parler de la recherche opérationnelle Ce n'est pas uniquement par rapport à l'efficacité, à l'optimisation, c'est aussi parce qu'elle permet de faire une approche prescriptive qui est en fait beaucoup plus intéressante que l'approche prédictive. Alors, de quoi je parle Chez Fanartech et dans plusieurs autres compagnies, ce qu'on essaie en fait de faire quand on a une solution analytique, c'est de répondre à quatre questions. Vous avez un découpage devant vous en quatre types d'analyses qui correspondent essentiellement à quatre questions essentielles. Alors, la première question qu'on a ici en bas à gauche, c'est l'analyse descriptive et la question c'est qu'est-ce qui s'est passé On essaie de comprendre quel est l'état des lieux. Qu'est-ce qu'on a comme problème Qu'est-ce qu'on a comme possibilité Ensuite, il y a l'analyse diagnostique qui, elle, en fait, essaye de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et aussi, est-ce que j'aime bien ce que je vois Donc, la situation, elle est telle. Voilà pourquoi ça se passe comme ça ou pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que j'aimerais améliorer la situation Si oui, ben, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire Ensuite, on a l'analyse prédictive qui est l'analyse dont on parle énormément en ce moment parce que c'est vraiment le jeu. Enfin, le domaine de jeu de ML, du machine learning, c'est en fait, qu'est-ce qu il va se passer Donc l'idée, c'est qu'on construit des systèmes, on donne un input, le système va donner la résultante, un output avec une certaine probabilité. On essaie de préduire, d'après un scénario de base, en input, ce qui va sortir en output. Alors c'est génial, mais il y a mieux, il y a l'analyse prescriptive. Et l'analyse prescriptive, elle répond à la question, quelle est la démarche qui me permettrait d'optimiser, d'optimaliser les résultats recherchés. Alors, c'est plus que juste répondre à la question comment optimiser les choses. C'est en fait, pour moi, un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on va construire des systèmes qui vont pas prendre un input de manière passive et qui vont donner un output. En fait, on va carrément donner un output et le système va construire l'input qu'on voudrait qui nous permettrait d'obtenir cet output. Par exemple, si je me demande comment puis-je augmenter mes ventes de 20%, en prédictif, ce qu'on va essayer de faire, c'est de regarder ce qui se passe dans une compagnie. On va regarder les meilleurs vendeurs, voir ce qu'ils font, puis on va essayer de faire un scénario en disant, ben si on répète ce qu'ils font, ben, voilà ce qu'on obtiendra. Ici, ça va être un peu différent. On va se dire, ben, tiens, on essaye d'obtenir 20 On va aussi regarder ce que les meilleurs vendeurs font, mais on va aussi rajouter en fait tout un savoir pour essayer de optimiser au maximum et d'obtenir ces 20 Alors, il faut pas voir ça comme quatre types d'analyse totalement séparés. C'est pas vrai. C'est en fait un continuum. C'est pour ça qu'il y a une roue au milieu. L'idée, c'est de se poser les questions en permanence, en continu. Et en fait, chacune des questions et des réponses va permettre d'alimenter les autres questions et réponses. C'est exactement ce qu'on construit. C'est un système qui, en fait, pose ces questions de manière continue et s'auto-améliore. Donc, voici pourquoi la recherche opérationnelle est vraiment importante. C'est parce qu'elle permet vraiment de faire de l'analyse prescriptive. Je vais vous montrer des exemples dans quelques secondes. Alors, on utilise du machine learning. Pour faire de la prédiction, on utilise de la recherche opérationnelle pour optimiser. Chiffon Artec et maintenant de plus en plus dans plein d'autres compagnies, on fait une combinaison des deux, on fait une hybridation des deux. Alors, nous, on fait l'hybridation de quatre façons différentes. Il y en a peut-être d'autres, mais il y en a au moins quatre. La première, qui est en fait devenue maintenant classique et mainstream, mais ça fait pas longtemps, je dirais que ça fait depuis 2019, c'est en fait d'utiliser les deux comme deux boîtes noires. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise d'abord le ML, le machine learning, et après, dans une deuxième étape, on utilise la recherche opérationnelle. L'idée, c'est d'utiliser le ML pour avoir des prédictions, et puis, une fois ces prédictions obtenues, de les optimiser avec de la recherche opérationnelle. Je vous donne mon exemple favori. Vous êtes une compagnie de train, et vous voulez euh, entretenir vos voies, les réparer, et vous voulez faire ça pour un coût minimal. Comment vous pouvez faire ça En deux temps. Premier temps, vous mettez des caméras sous vos wagons, vous faites passer vos trains, vous prenez des images de vos voies. Vous êtes capable, avec du machine learning, sans doute du deep learning, de pouvoir coller les images ensemble, de pouvoir détecter sur ces images quelles sont les réparations à faire. Tel type de rail, tel type de réparation à cet endroit. Tiens, là, j'ai un rail qui doit être réparé dans deux mois, c'est type de réparation C. Là, j'ai un, un rail qui doit être réparé dans deux ans, type de réparation D. Et euh, une fois que j'ai ça, j'ai une cartographie du réseau, mais je ne sais pas encore comment agir. Parce que l'idée, c'est que si j'envoie une équipe pour réparer un rail, par exemple, il se peut très bien que le rail qui est juste à côté ne devrait pas être réparé avant six mois, mais que puisque l'équipe est déjà là, ça coûterait moins cher de faire la réparation quand même. Et ça, c'est de l'optimisation que la recherche opérationnelle peut faire. Ensuite, il y a deux façons techniques d'utiliser les deux sciences. C'est en fait d'utiliser l'une pour améliorer l'autre. Donc, on utilise les connaissances de l'une pour améliorer les algorithmes de l'autre. Euh, on peut utiliser la recherche opérationnelle pour améliorer le ML. En fait, le ML utilise la recherche opérationnelle, puisque le ML, ce qu'elle fait, c'est essentiellement utiliser des algorithmes d'optimisation pour optimiser ses prédictions. Et puis, il y a inversement, la possibilité d'utiliser du ML pour améliorer les algorithmes en recherche opérationnelle. Ça fonctionne très bien. Alors ça, c'est quelque chose qui est moins présent, qu'on fait moins, mais en fait, ça fonctionne bien. Euh, je tiens à préciser qu'il faut le faire de la bonne façon, parce que la tendance actuelle, c'est de tout remplacer avec du ML, pas une bonne idée. Mais soit. Et finalement, il y a une quatrième façon de faire qui est ce que nous, on appelle une hybridation complète, où en fait, on comprend les fondamentaux des deux approches et on les combine dans des nouveaux algorithmes. Je vais aussi en parler. Alors maintenant, je vous donne deux exemples. Ça, ce sont deux projets qu'on a fait réellement. Donc, ce sont des vrais projets avec des vraies solutions. Le premier projet est en Suède. C'est une chaîne de restauration qui nous a demandé d'optimiser leur système de réservation. Ils font aussi des, euh, des spectacles. Euh, ils ont notamment fait un spectacle avec Justin Bieber. Donc c'est 80 000 places qui est en moins de 3 minutes. Qui sont parties en moins de 3 minutes. À l'écran, ce que vous voyez en fait, c'est un exemple fictif d'un restaurant avec 12 tables. Chacune des lignes correspond à une table. Et puis vous avez des colonnes qui correspondent à des time slots de 15 minutes. Et ce que vous voyez, c'est en fait ce que le système qu'on a construit effectue comme réservation. Donc vous avez quelqu'un qui, par exemple, les appelle ou va sur Internet et leur dit, voilà, nous sommes quatre, euh, on vient mardi à 6 heures. Et puis, nous, avec du machine learning, par exemple, on estime que puisqu'ils sont quatre, ils viennent à mardi à 6 heures. Ça veut dire qu'ils vont rester deux heures. Le système va essayer d'optimiser le nombre de gens qui peuvent venir dans ce restaurant. Donc, on va essayer de mettre le plus de nombre enfin, le, plus, le plus grand nombre de, de gens possible pendant, euh, par exemple, cette soirée. Et euh, là, vous avez une solution qui est donnée par le système. Alors, faut savoir que c'est un problème qui est hautement stochastique. Dans la mesure où la personne vous dit qu'elle vient à 6 h, mais en fait non, ils sont là à 6 h 30. Elle vous dit qu'ils sont là à 4, mais en fait ils sont là à 3. Je bois un petit peu parce que j'ai la gorge sèche, désolé. Donc il y a beaucoup de hasard qui est impliqué. Et ici, vous voyez une solution de notre système qui en fait a laissé deux trous. Vous avez deux trous, un à gauche et un à droite, parce que le système en fait il a appris que la meilleure façon de mettre le plus de monde possible dans les restaurants, c'est en fait de laisser deux plages où les tables sont vides pour pouvoir accueillir des gens par la suite, soit parce qu'il euh, qu y a d'autres gens qui, euh, qui viennent commander, qui viennent réserver, ou il y a des gens qui viennent aussi à la porte et qui n'ont pas réservé. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, cette solution-là, elle n'était pas du tout acceptable pour notre client, dans la mesure où ça donnait un sentiment d'avoir des restaurants vides. Et donc, les gens qui travaillaient dans les restaurants, ainsi que les clients, avaient la sensation que le restaurant n'était pas un bon restaurant. Alors, solution que nous, on a obtenue, <coughs> désolé, j'ai vraiment un chat dans la gorge, première fois que ça m'arrive. C'est en fait <coughs> une combinaison de la recherche opérationnelle avec le ML. Et ce qui est bien, je vous ai parlé des deux trous qui ne sont absolument pas acceptables pour notre client, mais avec la recherche opérationnelle, en fait, on a des équations, on a des contraintes, et donc on a pu imposer au système de ne pas faire ça. On lui imposait une contrainte, une police, no long debt uh, zone table policy. C'est-à-dire qu'on dit au système, c'est pas possible d'avoir ce genre de uh, solution. Alors combinaison MLOA, le ML nous permettait d'estimer euh, la façon dont les gens vont commander, la façon dont les gens euh, mangent, qu'est-ce qu'ils mangent, combien de temps ils restent, etc. On a aussi en fait remarqué que quand on avait un restaurant qui se remplissait, ça valait la peine de refuser du monde. Donc, à l'époque, c'est-à-dire il, il y a quelques années, c'était du jamais vu, mais on recommandait en fait de refuser du monde. Donc, dans la restauration, quand on a un client, on sonde dessus. Et nous, on leur disait, non, votre restaurant, il commence à être rempli, refusez du monde, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir accepter du monde plus important, des groupes plus importants par après. On leur a fait un Recommendation ou Recommender System, mais à notre source, MLOR, qui permettait de dire, ben voilà, tel client, refusez-le, parce qu'il y a une forte probabilité qu'il y ait un autre client plus important pour vous qui arrive par après, que vous ne pourrez pas accommoder si vous acceptez ce premier client. Alors, je vais passer au résultat. On a obtenu, une, euh, je dirais, euh, 20% de gens en plus. Et chose qui était importante, je vous avais parlé de, du concert avec Justin Bieber 80 000 places parties en moins de 3 minutes. Il fallait que ça aille très vite. On a fait une optimisation qui, en fait, prenait moins de 3 millisecondes par euh, réservation. Alors, voici un autre exemple. Là, on est dans le Computer Vision. Donc, ça, c'est l'apanage du Deep Learning et du ML. Mais en fait, non. Ici, on a, c'est aux États-Unis, un exemple où on a des saucisses sur un grill. Vous voyez que les saucisses, en fait, on les distingue vraiment difficilement. À l'œil nu, c'est vraiment difficile de pouvoir reconnaître, de pouvoir faire la distinction entre une saucisse et une autre. L'idée de ce projet, c'était en fait de pouvoir faire une reconnaissance en temps réel, pardon, des saucisses et pouvoir dire quels qu étaient les meilleurs vendeurs. Donc, il y avait différents types de saucisses. Et l'idée, c'était de faire un suivi, de pouvoir dire, bah, tiens, à telle période de l'année, ben, bah, ça vaut la peine de vendre ce type de saucisse-là et pas un autre. Et puis, il fallait aussi voir si en fait les saucisses étaient assez cuites ou pas assez cuites. Entre euh, autres, pour éviter de se faire poursuivre en justice par les clients. Alors, quand ils sont venus, ils avaient un système avec du DL et ça fonctionnait pas très très bien. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a dégradé ce système-là et puis on a rajouté une couche de recherche opérationnelle. Une des idées qu'on a eues, c'est qu'en fait ces saucisses, la plupart du temps, ben, elles restent statiques sur un grill. Les gens, quand ils prennent des saucisses, bien, ils en prennent une à la fois ou deux, max. Et donc, on est parti avec cette hypothèse-là. Ça nous a permis de faire des choses en recherche opérationnelle et combinaison des deux. Ça nous a permis, en fait, d'améliorer grandement l'algorithme. Ouais. Ça vous donne un exemple de ce qu'on peut faire avec une combinaison de MLOR. Alors, je passe à la quatrième hybridation. La quatrième hybridation, ça, c'est relativement nouveau. C'est en fait donc une combinaison où on mélange, où on comprend fondamentalement ce qui se passe en ML et en OR et on fait des nouveaux algorithmes. Alors, c'est relativement nouveau. Ça commence à percer. Nous, on prétend que c'est le futur de l'IA parce que ça permet de faire des choses qui sont totalement impossibles en recherche opérationnelle ou en ML pur. On fait de la recherche maintenant à Poly avec le professeur Gendro. On a deux projets. Le premier, c'est en fait une injection d'émotion dans l'IA, mais à notre source. C'est quelque chose de Relativement nouveau, ce n'est pas du tout une approche ML. Et puis on a en fait poussé le bouchon un peu plus loin et on pense qu'on a peut-être un algorithme réellement intelligent. Alors je vais en parler. Pour l'injection d'émotion, en fait, j'aimerais juste dire que si on utilise uniquement du ML, c'est peut-être pas la meilleure des façons de faire. Donc maintenant, il y a plein d'équipes qui essaient de faire ça avec du ML pur, et il y a quelques petits problèmes quand on n'utilise que du ML. Un des premiers problèmes, c'est qu'en fait, on a besoin d'énormément de données parce que les émotions, c'est très contextuel. Si vous avez une personne et que vous la prenez à 7h du matin, au lever, ou à 10h du soir, au coucher, si vous la prenez devant son boss, devant sa famille, devant ses amis, si vous la prenez en train de regarder un film ou en train de travailler, enfin bref, vous aurez des réactions différentes à propos de l'émotion. Si on utilise une approche purement ML, ça veut dire qu'en fait, il faut des données sur ces contextes-là. Ça veut dire qu'il faut énormément de données. Et là, je vous parle d'une émotion. Alors, il y a aussi le problème des données biaisées, parce que les données vont être fortement biaisées. On parle d'émotions, c'est vraiment difficile d'avoir des émotions qui ne sont pas biaisées. Je ne suis même pas sûr que ça ait un sens. Donc, ça, c'est quand même deux problèmes. Un troisième problème, c'est que on a parlé d'émotions. Maintenant, on aimerait avoir des systèmes en fait, qui sont capables de changer automatiquement d'émotions. Ça veut dire que là, en ML, on aurait besoin d'informations où on fait un changement. Donc, il faut encore plus de données. Mais surtout, surtout c'est le quatrième point qui à mon avis est le plus important c'est qu'on n'a pas de contrôle véritable en tout cas c'est pas facile en ML nous on a trouvé une façon d'avoir un contrôle et on espère, on estime en fait qu'avec ce contrôle là on aura la possibilité d'éviter de chatbots qui par exemple deviennent complètement racistes donc régulièrement vous voyez dans la presse on a construit un chatbot et puis on les a lancés et on a dû les enlever, les retirer, les dépluguer parce que qu'ils devenaient misogynes, racistes des choses comme ça nous, on a un système de contrôle, qui est un système de contrôle assez poussé, qui permettrait normalement de ne pas avoir ce genre de problème. Et finalement, je vais toucher un petit mot sur l'algorithme la, intelligent que nous essayons de développer. Alors, on n'essaie pas du tout d'imiter le cerveau humain ou le cerveau d'un animal. Ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est d'avoir notre propre définition d'une intelligence machine, qui en fait est très bête, mais qu'on a envie d'appeler intelligence quand même, parce que on pense être capable de développer un système qui, de manière autonome, est capable d'en fait changer sa compréhension de, du monde externe et de le faire en termes de concepts et de sous-concepts, et puis d'apprendre très très vite et de désapprendre très très vite. Alors, on pense que ça, c'est une définition acceptable de l'intelligence ou d'un type d'intelligence, et on pense qu'avec l'hybridation totale MLOR, c'est accessible. Alors, voici un exemple de ce qu'on aimerait faire. Donc, on n'est pas encore là, mais on se dirige vers là. Vous avez un labyrinthe avec des règles relativement simples. Vous avez des trous. Si vous tombez dans les trous, vous mourrez. Et il y a des fraises. Si vous mangez la fraise, vous avez des points. Le but, c'est d'optimiser le trajet, donc de manger un maximum de fraises, et de sortir du labyrinthe, peut-être sous un certain temps, et de sortir vivant. Alors, avec du reinforcement learning, on arrive à résoudre ce genre de problème. Mais maintenant, le truc, c'est qu'on va changer les règles dynamiquement. C'est-à-dire que pendant que... Votre agent va se balader dans le labyrinthe, on va changer les règles, on va en fait substituer les trous et les fraises, on va les modifier. C'est-à-dire que les fraises, quand l'agent va les manger, il va mourir, et quand il va tomber dans un trou, en fait, il va gagner des points. Et puis, on peut faire ça de manière dynamique plusieurs fois pendant une partie. Ça veut dire que l'agent doit s'adapter très très vite et désapprendre le fait qu'un trou est mortel, puisqu'il peut ramener des points. On pense être capable de faire euh, une solution pour ce genre de problème. Donc voilà. Alors. Si vous avez des questions, ben je vous invite à venir nous rejoindre, venir communiquer avec nous. Donc Fanartech, c'est relativement facile de nous retrouver. Vous avez le site, n'hésitez pas, euh, si ça vous intéresse, ben on peut continuer la conversation. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée.